Pour qu'il se livre à l'impudicité et qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'il se répandit. Et il ne veut pas se répandir de son impudicité. Que Dieu bénisse les lectures. Ça vient pas pour la litanie. Oui, par la grâce de Dieu, nous allons quoi avancer. Oui, par la grâce de Dieu, nous avançons. Nous allons croire que c'est le Seigneur qui nous aide petit à petit. Et nous croyons que c'est le Seigneur qui nous aide petit à petit. Et donc, on aime le temps, on aime ce temps pour l'enseignement. La plus grande des choses, lorsque tu suis l'enseignement, il s'agit d'un bébé sangai au sosso. Il faut demander à Dieu la compréhension de l'enseignement. Que le Seigneur te donne son intelligence afin que tu comprennes la parole. Il n'y a pas de plus grande chose sur la terre en dehors de la parole. C'est pourquoi il faut s'améliorer. C'est pourquoi le Seigneur doit te donner l'intelligence pour comprendre la parole. Et cela est très important. Parce que le Seigneur est fait pour les élus. Comprendre la parole de Dieu. Considérer en vous vraiment et le pour nous. Et considère cela comme une grande chose dans tes requêtes à Dieu. La compréhension de l'enseignement. Le Seigneur donne à celui qui le demande. Donc, comme il faut pas reculer de l'aimer. Les choses que nous écoutons, c'est pour nous faire croître. Et rendre vraiment stable. Donc, il rendre stable. Dans le but que personne ne puisse t'emporter dans ces choses. Il faut évoquer que Moussa dans Zambé. Il faut savoir que l'œuvre de Dieu est toujours caché dans Zambé. Toujours avoir le cachet de Dieu lui-même.
Quand le Seigneur a établi sa carte, lorsque le Seigneur établit ses serviteurs, alors qu'on a besoin d'élever que son nom, seul son nom. Il n'a besoin que ses serviteurs ne puissent élever que seul son nom. Le nom du Seigneur. Comme il y a un colo. Ceux qui ont besoin d'élever le nom du Seigneur, s'ils élèvent le nom du Seigneur, pour lui, pour élever le nom du Seigneur, lorsque nous parlons d'élever le nom du Seigneur, et pour le manélo, qu'on y a un sale. Cela veut dire en toute chose qu'ils vont faire ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils fassent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Malachie chapitre 2, dans Malachie chapitre 2, je le dis d'abord au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur recolle un sacerdoce d'Aaron. Comme le Seigneur dans le sacerdoce d'Aaron, sacerdoce lévitique, pour la Nanzangé à la Lévi, à Zolki Balévi, n'est-ce pas famille lévitique et Zalé. Il avait pris le Lévi. Dans la famille de Lévi, à savoir qu'il avait une alliance. Il avait fait avec ces gens une alliance. Et cette alliance, bien-aimée, ils avaient qui pour la vie, la paix. C'était une alliance de vie et de paix. Et avant la zone, dans Malachie chapitre 2. C'est pourquoi je prends Malachie chapitre 2. Mais ceux qui ont monné, sacrificateur ou il peut basaner dans la famille à Lévi. Mais s'il remarque que les sacrificateurs qui sont dans la famille de Lévi, baso ça l'amène à l'humiliter. En train de travailler dans l'œuvre comme lui ne l'a pas ordonné. Écoute comme le Seigneur dit. On commence à partir du verset 1. Il y a Malachie 2. Et Malachie chapitre 2. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, à vous cet ordre. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Donc tu es béni, mais c'est la malédiction. Des bénédictions des sacrificateurs, les amis, offrande, babylon, cognon, soin. Les bénédictions des sacrificateurs sont toutes ces choses-là qu'on venait offrir. Selon le nombre 18 et le 8. Selon que nous le dit, nombre 20, 18. Non, Deutéronome 18 aussi. Et Deutéronome 18. Babylon, cognon, pour la parole. Les choses qui leur reviennent en droit. Les amis, bénédiction à mon. Et cela était leur bénédiction. Mais si eux, les sacrificateurs, m'écoutent, le Seigneur maudira leur bénédiction. Oui, je les maudirai. Parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences. Et je vous jetterai des excréments au visage. Là, ce que tu as monté, c'est à ma mère. Là, c'est tout serviteur. Nous avons parlé à vos amis. Qu'est-ce que le Seigneur a promis? Le Seigneur lui jettera au visage des excréments. Donc cela veut dire ma voix aussi pour cela veut dire le peuple ne te supportera plus. Les instruments des victimes qu'ils vous sacrifient. Et on vous emportera avec eux. Donc, les sacrificateurs qui n'écoutent pas, ils iront ensemble avec les excréments, là où vont les excréments. Là, c'est Dieu lui-même qui est en train de vous. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre. Afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Donc, subsiste l'alliance du sacerdoce. Il prend les sacrificateurs qui travaillent mal. Amenez Bango et Siko d'escrémer qu'il a. Il les emporte là où vont les excréments, les victimes. Pour
lumière bien. Pour que sa lignée, la lignée du sacerdoce reste pure. Bon ami dans le livre. Pourquoi il a dit enfin que mon alliance avec Lévi subsiste. Oui, l'éternel des armées. Verset 5e maintenant Malachi 2. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Donc, c'est que le Seigneur a mis dans la sacrificature sa vie. La kinya et la paix. Vous en avez marre. Amen. Donc, et l'union se fait au koufa. Ce qui est sacrificateur, il doit ça et costé quoi. Donc, lorsque le sacerdoce travaille, il vivifie tout ce qui était mort. C'est ça l'alliance qui nous a bâti à la carte à service. Et c'est ça l'alliance que Dieu a mis dans le service du sacrificateur. Et si qu'on kinya zata au tia kinya. Là où il n'y avait pas la paix, il va établir la paix. Lorsqu'on parle de la paix, il faut comprendre à mon attaque à Salomon, moi et à la vie. Il faut les comprendre par rapport au temps de Salomon, le fils de David. Comme David a combattu qui? Comme David avait déjà combattu ma nation, les nations, Zalaki n'a bangi à royaume déjà à David. Et les nations craignaient déjà le royaume de David. Là-bas, frontières, nous sommes dans toutes les frontières d'Israël. Et respect contre qui m'a cassé. Et respect était en train. Alors, royaume, moi, maintenant, il y a moi, et comment qui royaume de paix. Alors, le royaume du fils de David était devenu un royaume de paix. Donc, la paix et Yaka a pris victoire. Donc, la paix vient après une victoire. Donc, quand le Seigneur a lui dit que l'alliance soit à paix, ce qui n'a qu'à t'aller, les alliances de paix. Lorsque le Seigneur dit que son alliance était une alliance de paix, et l'ennemi Koloba Kemosa, cela veut dire que cette œuvre va vaincre tous les mauvais esprits qui te combattent. C'est ça la paix, oui, ça prend. Il y a beaucoup de à continuer. Il continue. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordé pour qu'il me craigne. Et ça dit à côté la paix, ça qu'il est ou il peut l'air ou il y a pas de là, verset 5e toujours. Le verset 5. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Mon père, il a reçu le qui n'a mon nom. Verset 6e. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix. Et dans la droite. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. C'est ça le rôle du ministère. C'est ça le rôle du ministère. Quand quelqu'un est public, mais il quitte la publicité. Il était sorcier. À six colonies à il est délivré pour devenir saint homme. Donc, pour Roland, les amis, pour détourner Moutounion, sera le mouvement na Mbindo. Donc, il a pouvoir de détourner des gens de la suie ou du mal. Et c'est pourquoi Paul a Zoloba aussi. C'est pourquoi Paul dit aussi que son ministère que le Seigneur a fait ça qui est. Le ministère que le Seigneur lui avait fait. Les amis, pour Longola, Batouna, royaume des ténèbres. Pour faire quitter les hommes du royaume des ténèbres. À côté, ça va en royaume. Il y a lumière, il y a fils de Dieu. Et pour le faire entrer dans le royaume de lumière du fils de Dieu. C'est ça le rôle du ministère. La première fois, il y a le tour, mon ami Loma. Et à continuer, il continue. Verset 7. Le verset 7. Pourquoi il a pour les gens dans verset 6e maison pour qu'ils aiment. Pourquoi ce qui est au verset 6 s'accomplit. Verset 7 et le verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Ah, donc, les lèvres du sacrificateur gardent la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'éternel des armées. Dans la verset 8e. Mais vous, vous vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute. Pour plusieurs.
vous avez violé l'alliance de Lévi. Dit l'Éternel des armées. Il y aura conséquence ceux qui m'ont toujours méprisé l'enseignement. Il est appelé à prêcher. Mais à son bébé, il s'en est enseignement pour se faire sa bâton. Il est en train de tordre l'enseignement pour plaire aux hommes. À son genre en position, il est critiqué les autres de la terre. Il prend des positions que les Écritures n'approuvent pas. Verset 9 de la Bible. Le verset 9. Et moi, je vous rendrai méprisable. Et vil. Aux yeux de tous les peuples. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies. Et que vous avez égard à l'apparence des personnes. Quand vous interprétez la loi. Lorsque le sacrificateur interprète la loi, s'il a l'égard aux apparences des hommes, il voit par exemple ses frères à beaucoup d'argent, et il sait bien qu'il vit dans la débauche, mais il ne lui oppose pas le verset qui interdit le pire. Il voit qu'il est saint. Le Seigneur ne va pas te laisser comme ça. Premièrement, sache qu'il va te jeter les excréments au visage. Deux. Il va t'amener jusqu'aux toilettes là où vont les excréments. C'est ce qu'il dit. Il y a mon azabiko. Donc, côté Yahomé, c'est ce qu'on va vous arrêter. Donc, prêcher tant dans les Écritures n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose. La conséquence grave de la même néfaste. Donc cela a une conséquence grave. La conséquence grave, il y a ce cas. Grave, vraiment bien. Zama maintenant pour Zoumayo. Le Seigneur ne comprend pas toi, serviteur. Pour nous interpréter mal par l'apparence. Toi qui interprète la loi en égard de l'apparence. Zama Corandri. Des femmes, des pères. On doit pas mal la mise en cause. C'est lui qui le dit. Ça vient dans sa vie pour moi. On a autant de savoir pourquoi ton laboutique a vraiment si qui enseignement. Je vous montre pourquoi on aime rester dans la précision de l'enseignement. Pour éviter à tout bout d'amener la toilette la dalle. Nous évitons les toilettes de Dieu là-bas. Les toilettes. Donc, dans la maman beauté, les seigneurs prennent les hommes qui s'aiment et les fait entrer dans les boulous. C'est la vie en malakim. C'est le Seigneur qui l'a dit. Donc, ceux qui ont mon lit est allé à moi à la salité. Donc, si quelqu'un le voit, c'est comme il voit les esprits. C'est extrêmement ce qu'il dit. C'est extrêmement ce qu'on train de dire, le Seigneur. Tamou, Batou, Bazali, Kosala. Va interpréter la loi par apparence. Lorsque les sacrificateurs interprètent la loi par apparence, alors, et que vous avez égard à l'apparence des personnes. Quand vous interprétez la loi, nous serviteurs qui sait qu'il dort les Écritures. Le Seigneur est le lui. Le Seigneur a déjà dit qu'est-ce qu'il verra avec toi. On les appelle le thé. Là, ce n'est pas le peuple de son côté. Donc, Dieu, c'est Dieu qui est en train de le dire. Voilà pourquoi, bien-aimé, les hommes de Dieu m'appellent en base à la fidèle. Les serviteurs sont appelés à être fidèles en eux. Afin que le Seigneur a honoré aussi, maman. Afin que le Seigneur aussi puisse les honorer. Le Seigneur a dit j'honore ceux qui m'honorent. Il faut y mettre en aussi méprisable, mais au bas méprisé. Donc il rend aussi méprisable ceux qui le méprisent. Voilà pourquoi, bien-aimés, au tal sacaboyé, nous montrons toujours toutes choses que nous dans l'enseignement. Toutes choses que nous pourrions élever dans l'enseignement. Il faut que nous cahiers là, juste selon Dieu. Il faut que nous cherchions que cela soit juste devant le Seigneur ou selon le Seigneur. Pour le Seigneur a. Enfin que le Seigneur répande son parfum au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors c'est ce que tu as aussi. C'est
ce qu'on voulait aussi montrer, c'est pourquoi il n'est pas appelé un serviteur à jouer avec la chair. Même si tu es seul en brousse dans la carrière, et tu es toi-même serviteur devant eux, il ne faut pas jouer avec nos têtes de Dieu. Le Seigneur est là. Seulement les gens que tu vois faire, le Seigneur pourrait te rendre vide devant ces gens-là. Ceux qui peuvent respecter l'enseignement. Et si tu respectes aussi l'enseignement, pour respecter la parole, tu respectes la parole de Dieu. Seulement le petit troupeau que tu as, honorer aussi bien. Le Seigneur va t'honorer aussi devant ces gens-là. C'est très très important. Il s'agit pour tout à la casse. Tous avant qui contient ça, le mardi, je pense bien par la grâce de Dieu. Le mardi passé par la grâce de Dieu. Total ça qui déjà au clôturer un peu sur Balamisme. On montrait qu'on allait clôturer sur la doctrine de Balaam. Doctrine de Balaam et nous au foyer par mon ami. Ce que tu dois savoir dans la doctrine de Balaam. Les années la cupidité. Les années qui l'ont consolé à mort. Salaire de l'iniquité. On y va les foutre à mon salaire. Pour maudire le peuple. Pour maudire le peuple. Alors total ça qui Nayo, on avait montré que Balaam, il était un fils de Madian. Et il y a des choses que j'avais dites et je dois les répondre même pendant 5 minutes. Total ça qui fouille parce que Balaam azan Madianite. On avait montré qu'il faut savoir que Balaam est Madianite. Et l'autre on va dire que Zan Batea était la repentance. On avait dit que le Seigneur ne lui avait pas prêché la repentance. Et Thomas qui est un qui propre parole n'a à tirer la carte. On avait vu que le Seigneur a pris sa propre parole et il l'a mis dans la bouche des malades. Pour marcher qui par la grâce de Dieu. On avait marché par la grâce du Seigneur. Nous avons qui aussi, dans le temps où Jésus était dans la chair. On avait pris aussi lorsque Jésus était dans la chair. Thomas qui a choisi ça qui les douze. Il a choisi ça. On avait vu Jésus lui-même choisir les douze apôtres. Dans Luc 6, Luc 12 et 13. Luc chapitre 6, le verset 12 à 13. L'écriture nous dit ceci. Nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah. En ce temps-là, Nathan Bouana, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Verset 12 de Luc 6. Maintenant, tu remets le verset 13. Quand les jours parurent, il appela ses douze, ses disciples plutôt. Parce que ses disciples étaient nombreux. Donc les disciples étaient nombreux. Celui qui nous unit, il a versé. Premier, il y a Luc 10 avant de continuer le verset 13. Si nous prenons par exemple le verset 1 de Luc 10, dans un temps, on a compris Jésus-Christ. Je le dis au nom de Jésus-Christ. Verset 1 de Luc 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Donc quand on dit encore, cela veut dire qu'il n'a pas 70. Cela veut dire qu'il avait d'autres disciples, il en a rajouté 70. Mais dans ce cas, on a Luc 6. Je retourne dans Luc 6. Quand les jours parurent, il appela ses disciples. Là, ils étaient plus de 12 lorsqu'il les a. Et il a choisi maintenant 12. Donc, il a choisi aussi Judas parce que c'est connu. Thomas, toi aussi passe. Il a choisi maintenant 12. Auquel il donna les noms d'apôtres. Oh, il a pensé à qui va comment il a Thomas. Lorsqu'il les a appelés, toi tu es apôtre Judas. Toi apôtre Simon.
Yo apôtre David. Toi apôtre David. Yo apôtre Jacques. Apôtre Jacques. Nani apesi komwa. Qui les a nommés? Jésus. C'est Jésus Christ. Nous avons vraiment. Amen. Les écritures. Les a commis ensemble. Yena bengi bango. C'est lui qui les avait appelés. 12. 12. Après apesi bango ba komwa ba apôtre. Après il les appela. Mais à pas autant que la mission ba oyo ya apesi ba komwa ba apôtre. Maintenant, on cite ceux-là qui l'avaient. Simon qu'il nomma Pierre. Simon y a pris ça qui commet à Pétri. André son frère. André Nicolas Mouba. Jacques. Yacou. Jean. Yohann. Philippe. Philippe. Barthélemy. Barthélemy. Mathieu. Mathieu. Thomas. Thomas. Jacques. Yacou. Fils d'Alphée. Moi j'ai fait. Simon appelé les Zélotes. Simon a appelé les Zélotes. Zélotes. Jude, fils de Jacques. Yude, moi j'ai Yacou. Et Judas Iscariot. Qui devint traître. Et Judas Iscariot, où y'a comment qu'à monter à Tétaki. Donc qui devint. Où y'a comment qu'à monter à l'air, on a fini traître. Mais dans ces temps-là, il n'était pas encore traître. Ah, et lui est vraiment à ratifier comme apôtre Judas Iscariot. Le Seigneur l'a pris et le nomma du nom d'apôtre. Parce que dans nos voyages, on voit la montagne, ça acte chapitre 1er. Parce que je pense que c'est là pour montrer dans acte chapitre 1er. Nous sommes un plus sage que les écritures, c'est vrai. Il ne faut pas être plus sage que les saintes écritures. Il faut qu'on évite ça. Il faut éviter cette attitude. Dans Acte chapitre 1er, dans Acte chapitre 1er, bien aimé, Pierre a zolomba. Pierre est en train de dire ceci. À partir du verset 16. À partir du verset 16. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma vie même à 15. En ces jours-là, Natabwa, acte 1. Pierre s'éleva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant en environ 120. Et il dit, oh frère, il fallait que s'accomplisse que le Saint-Esprit. Et c'est là qui est pour qui ça va au volume au centre. Dans l'écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Et il avait part au même ministère. Pourquoi Pierre a dit ainsi? Parce qu'il y a un moment qui vraiment que le Seigneur avait dit Judas Iscariot apôtre. Parce que c'est lui qui avait vu le Seigneur appeler Judas aussi comme apôtre. Et puis il y a pourquoi mon acquis. Et puis lui-même aussi avait vu que le Seigneur apprécie par mon mion sur 12 pouvoirs. Que le Seigneur donna à eux tous les 12 le pouvoir. Pour pas qu'il y ait un service. Pour aller dans le service. Mais Judas était un démon. Parce que Judas est un démon. Mais le pouvoir lui est-il d'acquis qu'il y ait un service, c'est un démoniaque. Mais le pouvoir qui lui était donné pour le service n'était pas le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu. C'était vraiment le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Dieu. Nicolas et à Pierre. De la même manière, ce pouvoir était sur Pierre. Nicolas et à Tadé. Et sur Tadé. Le même pouvoir là. Et ce même pouvoir. Et vous n'êtes pas Christ. Il provenait aussi du Christ Jésus. Yamazoroba, il avait part au même ministère. Asala qui n'est si qu'à la tombe au monde qu'on a dit son. Donc, tant que vous que les combien en a bas démon, pas service, tant que vous avez dit son. Lorsque nous allions chasser le démon, quand le Seigneur nous envoyait, lui aussi allait avec nous. Azobenganana, esprit où le Seigneur a pris ce qui pouvoir. Et Judas est chassé par le pouvoir que le Seigneur leur avait donné. Pourquoi le Seigneur a fait ça? Pourquoi Colossal Kibongo? Ils ont instruit, ils ont aussi dans le lingue tonomique. Cela nous instruit aussi de la manière dont nous venons de dire. Il y avait les faux prophètes parmi les pères. Et ça là qui m'a parlé qui s'en a pété. Il y aura aussi parmi vous les faux docteurs. Et vous aurez tapé Katikati Nabino Baté Yamabé. Là, c'est la façon dont Dieu a classé les choses. Voilà les amis, au lingue de Tabé à Tana Matamou. Mais tout à l'heure, c'est que le Seigneur a pu ça, ma signe, où il est Israël. On avait montré que le Seigneur avait donné des signes qui vont montrer ça. Quand on monte le Seigneur, lorsque tu vois le Seigneur, avant son départ, il y
Dans Jean chapitre 20, Ayaki Kotala va voir encore pour la première fois. Le Seigneur est venu le visiter. Là où ils étaient dans la maison, que la paix soit avec vous. Qui nous a dit, après, a soufflé les colonnes, le dit qu'il recevait l'Esprit. Après, il a soufflé sur eux pour dire, vos enfants, nous sommes. Et donc, on a ça qui a pourquoi le Seigneur avait fait ça? Pour ceux qui continuent le texte, parce que si nous continuons le texte, allons-y encore dans acte 1, bon, il m'a noté, bon, à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et dans acte 1, il dit qu'il ne sortait pas de Jérusalem, attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Pourquoi souffla qu'il y colonne à Bango à lui recevait l'Esprit? Pourquoi le Seigneur souffla sur eux et dit recevez le Saint-Esprit? Alors il montrait son mouvement dans la Genèse 2. Il montrait le mouvement qui était dans Genèse 2. Malobi, il vapeur, mon pépé, mon corps, et Zalaki commentait. Et la terre s'est levée de la surface du sol et arrosé toute la surface du sol. Péliamo et Soubala qui ont la main et tapon son manière. On a mis toute la surface du sol. Et tapon son manière. Faites attention, terre, on a eu vapeur, les eaux élevées, qui sont vraiment terre. Il faut faire attention, la terre qui se lève en vapeur n'est pas vraiment la terre. Au moment de la terre, tu peux la considérer comme une terre, mais c'est le ciel. C'est ça que l'eau l'a mobilisé. Parce que Maïa, son ministère, soit toute la surface du sol. Parce que l'eau l'arrosée qu'elle donne arrose toute la surface du sol. Vous en avez là, vous suivez attentivement. A répéter, vous n'êtes pas Moïse. Le Seigneur a répété chez Moïse. Moïse a tapé ma mère. Moïse était aussi une terre. Les anciens aussi étaient des terres. Nombre 11. Dans Nombre chapitre 11. Azuis vapeur d'une terre. Il a pris la vapeur d'une terre. Azuis esprit n'a pas dans Moïse. Il a pris l'esprit qui était dans Moïse. À répandre les cieux 70 anciens. Et le Seigneur a répandu sur les 70 anciens. C'est le même mouvement. Les Anitaka et le Komoko. Le lengue moko à Jésus-Christ. De la même manière, Jésus-Christ. C'était comme la rosée. Parce que la rosée s'est rendue avant que la pluie descende. Parce que la rosée était créée avant que la pluie ne puisse descendre. Vous en avez là, vous suivez attentivement. Et la rosée a arrosé toute la surface du sol. Mais la rosée arrosa toute la surface du sol. Il y a un mot élevé que le Seigneur a soufflé qui ricolo yaba. Disciples, et c'est ça le signe du souffle du Seigneur sur ses disciples. Masala qui a mot pour pas comprendre les Écritures. Mais le Seigneur l'avait fait afin qu'ils comprennent les Écritures. Ni Bamon à Judas na psaume. Qu'il puisse voir Judas dans le livre du psaume. Parce qu'on va voler comme intelligence. Parce que s'il ne l'arrivait pas vers l'intelligence, ils vont remplacer. Judas. Il n'aurait pas pu remplacer Judas. Parce que Makamanza me faut amener dans la Kisayo. Parce que dans les choses de Dieu, c'est Dieu qui doit te le montrer. Et ces jours-là, Pémoukoloan, Pierre Tamatani Rouleau. Lorsque Pierre a lu le rouleau, à comprendre en gros, il avait compris. Que le verset Bazouman a psaume Awawa. Que le verset qui dit dans psaume. En tout cas, Bazon Bela, Judas. Ces versets parlent au sujet de Judas qui s'en va. C'est parce que Dieu a soufflé dans les colonnes. C'est parce que le Seigneur avait déjà soufflé sur eux. C'était pour l'intelligence et pour moi. C'était pour que l'intelligence soit ouverte. Et ça va qui pour avoir la facilité à comprendre que. Et c'est là que Judas a dit qu'à sa place. Ah, c'est pour qu'il ait la facilité de comprendre que Judas devait abandonner. Ah, c'est dans son lien parce qu'il a dit fils à perdition. Il a son lien pour être dans un animal à l'Ibouni. Mais il a participé au même ministère. C'est ça que si quand à tout moment qu'on a dit ça. A continuer alors. Il continue ici. Homme, frère, il fallait que s'accomplisse que le Saint-Esprit dans l'Écriture. Voilà, verset 16. A annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ afin le salaire du crime. Toujours la cupidité. Et tombé, s'est rompu par les milliers du corps. Et toutes ses entrailles se sont répandues.
La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem. Et il y a d'autres qui sont cupides, même si quelqu'un meurt. Ils demandent la collecte surtout, mais c'est pour sa moi enfin qu'on puisse donner à sa femme. Les serviteurs prennent l'argent. Ils mangent l'argent de la moi famille. Et la famille du défunt manque l'argent. Combien de vous s'attendre? Tu es balade, serviteur. C'est lui vraiment balade dans l'église. Balade. Ce qui me vient dans l'esprit. C'est lui balade dans l'église des saints. Cupidité, tu n'as bon moyen de cupidité même dans l'argent, la collecte du défunt. Balade. Cet homme. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue à Kedaman. C'est-à-dire chant du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes. Voilà, dans le verset 21. Que sa demeure devienne déserte. Et que personne n'habite. Et qu'un autre prenne sa charge. Ah, c'est pourquoi j'ai posé la question, c'était quoi la charge de Judas? Et sa charge, c'était le ministère qu'il avait. Amen. Il était faux, mais le ministère était vrai. Il était faux, mais avec un vrai ministère. Parce que le vrai Wanande Yango, parce que le ministère est à l'homme terre. Parce que le ministère, c'est pas l'homme. Le ministère est à Dieu lui-même. C'est un service. Le ministère, c'est Dieu lui-même un service. C'est pourquoi hier, Pierre Azoromake, il a eu part au même ministère. Le ministère est à d'abord le mot. Donc il y a quel c'est seul le ministère de Jésus-Christ. Donc tout moi Jésus-Christ. Maintenant, dans le ministère de Jésus-Christ, c'est un don des charges. Maintenant, dans le ministère, il confie des charges aux hommes. C'est ça l'écriture. La façon dont l'apôtre Pierre a prêché. C'est ça l'écriture. La façon dont l'apôtre Pierre l'a prêché. Donc, ce que la tête est en haut, c'est-à-dire dans tout cela, totalise ça qui est aussi bruit. On avait aussi montré ceci. Que Madian, Aza vraiment, moi, Naya. Il était vraiment le fils d'Abraham. Mais le Seigneur a un langage. Mais le Seigneur a un langage. Il y a fils de la promesse. Il y a moi, il y a Inaka. Fils à promesse. Le fils de la promesse. Isaac. C'était Isaac. Il y a moi, la Genèse 22 a béni fils unique. C'est pourquoi le Seigneur l'a appelé fils unique. Donc, moi, na moko kaka ya likina. Un seul fils unique. Aux hommes en amant. Amen. Maintenant, Madian se retaque dans Genèse 25. Maintenant, en lisant Madian dans Genèse 25. Aza aussi, moi, Abraham. Il était aussi le fils d'Abraham. Zambé Azoa Kabato. Le Seigneur prend les hommes. Azo Sale Labamoniti Bilimbo. Et les utilise comme des signes. Lokola Bilimbo. Comme des signes. Donc, à Koko Zoa. Il n'est pas Atali Sabisoke. Akoya Koukoufa Azaki Bilamba ni Koulousou. Pour nous montrer par exemple qu'il viendra mourir lui à la croix, à Salela Elimbo. Il avait utilisé un signe. Abeni Moussakolimoko. Il a appelé un prophète dans la Bible. Dans Esaïe 20. Dans Esaïe chapitre 20. Verset 1er et la 3e. Le verset 1er jusqu'au verset 3. Alobi Esaïe. Esaïe le prophète. L'homme qui a mal à l'homme qui a fait sa patron. Enlève ton vêtement et des choses. Tabola Koulou. Et marche nuit dans les routes, dans les rues de Gina. Vous en avez là. Amen. Donc, ce que vous êtes, c'est que Jésus-Christ a pour faire qui n'a ni moi, Jésus-Christ était mort avec un calice. Au constituant le peuple. C'est tout ma doctrine, moi, ma pensée que ma mère est ma limite pidère pour les pandas. C'est toutes les doctrines qui pensent qu'ils aiment plus la pidère que Dieu. Entre temps, bazar pidère en mode. Entre temps, ils n'ont même pas cette pidère. T'es non, mais quoi mon continu. Non, ma pour faire qu'il n'a pas beaucoup moins, il était mort. Non.
Il n'était pas mort ainsi. Il était mort tout nu à quoi? Pour afin que toi et moi puissions nous revêtir. Et tant que nous de la mort, nous avons un signe, prophète, nous avons un signe. Mais lorsque tu affirmes, tu dois avoir un témoignage qu'un prophète a marché nu. Et les mots, les avantages, ça veut dire que les pieds d'Éthiopie dans l'Égypte. Et ce signe-là de la nudité du prophète, c'était le dépouillement de l'Éthiopie et de l'Égypte. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il lit cela, c'est pourquoi dans Colossiens, il a dit que le Seigneur, Colo, tu as livré les principautés des démons publiquement. Yo, au long d'un millimètre, on m'a bien mis sur la topole et ma maison. Public, mais ça, le réveil est sorti pour lui. Donc, publiquement, c'était la nudité de Jésus à la croix. Donc, c'est ce qu'ils ont vu. La mise en atopolémie. Parce que les prophètes, ils ont les Matamboyo, ils ont salé. Parce que les prophètes, ils signent des choses qui se passent. La croix du Seigneur, le Seigneur qui a dépouillé ma principauté. À la croix du Seigneur, il devait dépouiller les principautés. Là, il est mort, et Zala qui l'a dit, oh, ils ont zambé à temps aussi, Esaïe. Nu. En signe, c'était Esaïe qui marche nu par là. Esaïe qui l'a a dépouillé l'Égypte. C'est comment est-ce qu'il a dépouillé l'Égypte? A dépouillé Éthiopie. Il a dépouillé aussi l'Éthiopie de sa force. On les a dit ma nation. Là, c'était les nations. Mais la croix, ce sont des démons. Mais à la croix, ce sont des démons des principautés. Vous en avez là. Amen. Avec les bagots. À l'eau qui bagot. C'est ça. Dieu se sert des hommes comme des signes. Vous avez à ça de la tabato. Pourquoi la vie de l'eau? Et ça, le négé a suivi Joseph. C'est par exemple, il prend Joseph. Et on l'a haï par ses frères. Azaraka et Limbo, il n'est que le signe. Pour la montagne, ça veut dire le véritable Joseph. Vous montrez comment le véritable Joseph. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Israël a haï. Et Israël l'a haï aussi. Donc, Azaraka, un exemple élevé. Il n'était qu'un signe, un exemple. C'est comme ça la Bible des dieux, les amis. C'est comme ça que sont classées les saintes écritures. Yamo omoni Abraham azali comme tata. C'est pourquoi Abraham est comme le père. Tata ezali oyo biloko nyonso ezali ebimi na kati na ye. Le père c'est celui de qui tout est sorti. Ezala moto yaza mopaga. Et ça soit celui qui est un païen. Moto yaza de la kabikeko. Et celui qui est un idolâtre. Moto andima papeza mbazate. Et celui qui est un impie. Bango nyonso babimi na kati na ye. Et tous sont sortis de Dieu. Et ça, le au moni Abraham. Par exemple, tu vois Abraham. Et Matthieu aussi est sorti d'Abraham. Amen. Et ça, tu vas bien. Et Isaac aussi est sorti. Donc, Abraham a dit Elembo. Abraham est comme le signe à son nom. Du véritable Dieu. Il y a encore pour remarquer. C'est pourquoi tu vas remarquer maintenant. J'avais montré ceci. Quand Israël a télémé Moïse, lorsque Israël s'est opposé à Moïse, Moïse a kiminé la katama. Moïse avait fui vers Madian dans Madian. Jacques l'a interprété le mouvement. C'est Jacques qui interprète ce mouvement. Dieu a jeté dans Acte 15. Dieu a jeté les regards parmi les nations. Ça veut dire quoi qu'il ne se paye à Nicole. Au moment où bas, Moïse a cueilli Madian. Tu pourrais dire Moïse s'est rendu à Madian. Et ça, il est parce qu'à Saraka Moïse, Dieu. C'est le signe parce qu'il avait fait de Moïse Dieu. Mais, on le dit, Dieu a jeté les regards parmi les nations. Vous avez mis son tati-tati à Nicole. Vous savez, hein? Tu sais, et il a choisi d'immigrer d'elle. Mais a poni tati-tati à Nicole. Mais Moïse a fait la mendiant. Moïse s'est rendu à mendiant. Mais a poni moi-ci. Mais il a choisi une femme. Où est-ce que vous avez dit? Et cette femme est vraiment madianite. Amen. Le négro, on gagne à tout ça. Pas congolais. De la même manière, toi et moi sommes des congolais. Bah, nous sommes en français. Et notre frère sont des américains. Les américains. Donc, par nation, nous sommes en train de ça. Et les moya, Madian. Toutes les nations de la terre sont le signe de Madian. Mais le Seigneur a son pronomé dans quatre. Mais là, le Seigneur choisit sa femme. Est-ce que vous en avez dans ton bâtiment? Est-ce que donc, il est aux oies qui. Livre à Juges 6, verset 1er. Alors on avait pris le livre de Juges 6, verset 1er. Parce qu'il faut avoir la compréhension de ma commandant, mes amis. Parce que tu dois avoir la compréhension des choses de Dieu. Zambé, le Seigneur, dans sa manière de marcher,
Après ça, il ne peut pas comprendre mon mouvement. Il les donne à ses fils pour comprendre ces mouvements. Mais ça n'est pas autant que ça y est, le ventre. Si comme le Seigneur te montre, il faut s'aider la carte. Tu dois te réjouir. Mais total, il s'agit d'un verset premier, il y a Juge 6. On avait montré au verset premier de Juge 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madian. Pendant sept ans, Mibou Sambo. Oh, les amis, ça c'est le signe. Et ça les manquait. Qui s'était passé. Il faut dire que le mouvement, il y a Israël, Israël comme nation. Tu vas savoir que le mouvement d'Israël comme nation. Attends, il s'appelle Adam. Et Israël parle aussi d'Adam le premier. Amen. T'as Adam a atrocité. Lorsque Adam a désolé. Azal livré au péché. Il y a Kabama qui n'a le souvenir. Mais le nom sous Azal livré la mort. Dans un autre là-bas, je l'ai livré à la mort. Et ma nation va venir pour s'élever. Et les nations commencent à s'élever sur la terre. Nous faisons bien comprendre. C'est pourquoi tu vas remarquer. Miracle news, c'est le même qui l'Égypte tango. Moïse a parlé. Tout le miracle opéré en Égypte. Des grands miracles. Mais Israël a délivré. Mais Israël n'était pas toujours. Bon ami. Pourquoi? Israël qui en bas a dit besoin de le sang. Parce que le Seigneur a besoin du sang et le sang. Pour expliquer tout simplement. Comment est l'esclavagisme d'Adam? Donc pour expliquer la servitude d'Adam, pour qu'il puisse en faire une vie de Pessah. Et c'est bon, il faut de Pessah. Mais à ça, il est bon, Israël. Mais le Seigneur l'a fait comme signe à Israël. Lorsque tu veux méditer pour prêcher Adam, c'est bien sûr au gros qu'il n'a ADAN. Bien sûr, tu peux te rendre ADAN. Bien pour se rendre ou bien pour t'entretenir avec lui. Mais ADAN, au gros, sauter, le mouvement Adam est bélé. Mais si c'est seulement ADAN, tu vas sauter beaucoup d'Adam dans la vie. Israël appelle ça aussi. Attends. Et Israël parle aussi d'Adam. Yamomoni, c'est pourquoi tu vas voir. Zambé a pesa qui est Bokondi. Le Seigneur lui avait donné la soleil à pesa Adam Bokondi. Donc comme il l'avait aussi donné à Asale la paix Israël. Le Seigneur avait fait aussi ainsi pour Israël. Ma désobéissance à Israël et à la mort. Et toutes les désobéissances d'Israël dans la Bible. Et Tanisaka, désobéissance d'Adam. Parle toujours de la désobéissance d'Adam. Mais maintenant, il faut fonder en gros pour nous comprendre. Mais le Seigneur va en les détaillant afin que nous comprenions. Il y a beaucoup remarqué. C'est pourquoi tu vas remarquer. Dans Israël, a tout sa terre. Lorsque Israël désobéit, Zamba Zobénanaël a m'appelé au Yapesaï. Le Seigneur le chasse dans le pays qu'il lui avait donné. Quoi qu'il ait la captivité. En fait, qu'il ait la captivité. Et ça, le règne à ça, qui attend. C'est la même manière qu'il avait fait à Adam. Atrocité. Il n'a pas obéi. Alors, on est dans le jardin. Le Seigneur l'a chassé du jardin. Mais, avant répété à mon acte à peuple appelé Israël. Mais le Seigneur répète ses mouvements dans Israël. Maintenant, il faut y épaquer. Maintenant, tu vas savoir aussi. Zambé à Taïsaka. Le Seigneur montre aussi. Il monte à l'ocol à Souki. Le peuple aussi. Comme ses cheveux ou sa chevelure. Il y a beaucoup remarqué dans Jérémie. C'est pourquoi tu vas remarquer dans Jérémie. Jérémie chapitre 7. Hein? Jérémie chapitre 7. Tant Israël a docité. Lorsque Israël a désobéi. Le Seigneur a dit ici Jérémie. Le Seigneur a dit au prophète. Dans verset 29. Verset 29. Jérémie 7, verset 29. Jérémie 7, le verset 29. Coupe ta chevelure. Quand ta soupe en mousse. Et jette-la au loin. Et quoi qu'il y a au Sika. Monte sur. Les auteurs. Et prononce une complainte. Car l'Éternel rejette. Et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Donc, génération où on a expliqué où il y a sous qui a Jérémie. Donc, cette génération, le Seigneur l'a expliqué comme la chevelure du prophète. Donc, quand nous avons voir qu'à Jérusalem, lorsque le Seigneur rejette Jérémie, pour voir qu'il y ait captivité, pour qu'ils aillent en captivité. Aïe, si Jérémie, kata kofu. Il a dit à Jérémie de se raser. Au soukiwan. Donc sa chevelure, des peuples. C'est le peuple qui va en captivité. A vu à boire qui a. Jérémie l'a jeté au loin. Ézéchiel a savé qui contemporait à Jérémie. Ézéchiel était celui qui vivait dans le même temps que Jérémie. Ézéchiel a savé la captivité.
Ézéchiel était aussi en Babylone. Zambé pas ici en Ézéchiel 5. Le Seigneur lui a dit aussi dans Ézéchiel 5. À partir du verset premier. À partir du verset premier. Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant. Un rasoir de barbier. Prends-les. Et passe-les sur ta tête. Et sur ta barbe. Prends ensuite une balance apaisée. Et partage les cheveux. Brise-en un tiers dans le feu. Au milieu de la ville. Lorsque les jours du siège seront accomplis. Prends-en un tiers et frappe-les avec les rasoirs tout autour de la ville. Disperse-en un tiers au vent. Et je tirerai l'épée derrière eux. Tu apprendras une petite quantité que tu serreras dans les bords de ton vêtement. Maintenant, vous avez le détail de Souki. Maintenant, il donne le détail de sa chevelure. Souki, on les a perdus. Et cette chevelure, c'était le peuple d'Israël. On se rend là. Tu suis attentivement. À nos Bibles, il dit ceci. Sois Souki, on prend toute la chevelure. Lorsque tu la tiens à la balance, il faut la mettre sur la balance. En tout cas, il vous sera léger. En tout cas, je crois que cette chevelure sera légère. Hein? Et vous pensez que cette chevelure ne doit pas être. Et ça, vous avez les enfants, on a dit, bon, t'es souki. Et c'est la manière dont le Seigneur voyait le peuple qui est dans l'iniquité. Mais on a vraiment souki, ils ont mis Adam. Mais celui qui avait vraiment péché, c'était Adam le premier. Parce que Romains 5 est le dit. Parce que Romains 5 dit, par la transgression d'un seul. Nous avons tous la route, mon cocata dans ma vie. Mais la mort est contre. Et la mort est entrée. Tout le monde a désobéi. Un seul homme a désobéi. La transgression est là quand on n'est pas Adam. Et la transgression est imputée à Adam. Mais après, vous répétez dans la carte Israël. Et le Seigneur la répète dans la vie d'Israël. Mais vous remarquez. Mais tu vas remarquer, bien-aimé. Adam ici, mouvement à chevelure. Il a parlé du mouvement de la chevelure. A vu en mot. Les prophètes l'ont prise. Panza et en mot dans mon peuple. Et l'a dispersé au vent. Et ça, le règne est armé à Boaka, ma belle Moubima par la chute d'Adam. C'est la manière dont le Seigneur a rejeté toute l'humanité par la chute d'Adam. Le règne est soutenu par Zalaki dans la dispersion de ses cheveux. Les Zalaki d'abord en place en Israël, le règne a causé la dispersion. Donc en ces temps-là, c'était d'abord Israël. Comment est-ce qu'ils seront dispersés? Mais était niveau où est-ce que je vais dire, c'est Ézéchiel. Mais on avait demandé à Ézéchiel de prendre une partie. Si on n'a pas un homme. Et de les serrer au bord de son vêtement. Sans condamner la nombre 5. Et si tu observes nombre 15. Les nombres 15. Bon, il y a vêtements, il y a juif, non, c'est pas à Rome, il y a vêtements, juif, non, c'est à la loi, et la parole. Le bon de vêtements de tous les juifs a la parole. Donc, Ata Pandi Souki, même s'il a dispersé les chevaux, il les a rejetés. Mais à combat, elle a été ni mon combat au la parole. Mais le Seigneur va préserver une partie qui s'attachera à la parole. Il y a un moment dans le début. C'est pourquoi vous allez voir au début. Adam a désobéi. Il a désobéi. Mais Adam a travaillé avec Abel. Mais le Seigneur a travaillé avec Abel. A qui a travaillé avec Seth. Avec Seth. A qui a travaillé avec Noé. Avec Noé. A qui a travaillé avec Abraham. Il a travaillé avec Abraham. Donc, Baza comme chevelure, Baza lié n'a pas un vêtement avec le vêtement du prophète. C'est comme la chevelure serrée au bord du vêtement du prophète. Mais chevelure, vous souffrez pas. Nous dit Naéa. Notre cheveux ont été dispersés au vent. Azota, il s'est dans le lingue. Je suis en train de vous démontrer de quelle manière. Que la nature Oyezakuna ya Madia. La nature de Madian qui est là. A Wouti Nakatia Abraham. Madian provient d'Abraham. Donc avant ça, toutes les nations de la terre. Il représente toutes les nations de la terre. Donnez les bas et parti. Comment est-ce que les nations sont là? Et ça, chevelure et le moins en tout et partant. Donc c'est la chevelure qui quitte la terre pour se disperser. Mais et qu'est-ce que je veux dire, vous vous en retirez qu'il y a dans la parole. Mais il faudra qu'une autre partie soit serrée à la parole. Donnez-les à moi à quoi dans la postérité Adam. La manière dont le Seigneur avait rejeté la postérité. Mais là, la maison d'Abraham. Il avait préservé la maison d'Abraham. Ma
Ils sont la postérité prophétique. Mais le Seigneur les a attachés à sa parole. Mais à vous, c'est comme un témoignage, tout simplement. Maintenant, ici, dans Ézéchiel, le Seigneur les montre comme un témoignage. Je prends un exemple. Par exemple, dans tout Kisangani. Tous les habitants de Kisangani. Ils sont des hommes comme eux. Mais ils n'ont pas vu la carte de Kisangani. Le Seigneur t'a pris à Kisangani. La parole. Et t'as préservé dans la parole. Amen. Mais on sait qui ça va. Mais tu es qui ça. Mais alors, on lui y a donné des paroles bazar. Mais le Seigneur t'a fait quitter de leur madame. Mais là, par où va-t-il la libanda, bazar, par où on s'en va qu'il a. Et ceux qui sont restés là-bas, d'ailleurs, sont tous des créatures. C'est comme ça qu'il faut comprendre les livres. Et c'est comme ça que tu dois comprendre la Bible. Bonjour, maman. Tu suis attentivement. Même chez Bénin. Soudainement, à partir d'ailleurs, le Seigneur l'a dispersé. Même chez Béni, la même chez Béni, à bâtir et à remplacer, à dire qu'à la parole. Le Seigneur a préservé là où il met sa parole. À propos de la carte de Libota, il veut être là parmi le peuple. Libota, d'ailleurs, dans nous autres, dans ta famille biologique, bah, tu as mis les moments. Il y a des gens d'eau. De sorciers. Oh, bah, des gens qui mangent des gens. Bah, tu as noté, Mali, Kounzou, ce qui. Des gens jaloux. Mais ça va sans quoi rejeter ma mort. Mais le Seigneur les rejette. Mais la carte n'a pas. Mais parmi eux, à Zui, il te prend. À sa vision, la parole. Et il t'attache à sa parole à lui. C'est ça, c'est le mouvement de la totale. C'est ce qu'il est en train de montrer ici. Bonjour, la malade. Il y a un mot remarqué. C'est pourquoi tu vas remarquer. Maintenant, c'est le fils d'Abraham. Maintenant, il a idolâtré. Mais il était allé dans l'idolâtrie. Mais Isaac a bien dit. Mais Isaac n'est pas appelé à ça. Ah, ça maman, Abraham. Il est aussi le fils d'Abraham. Vous avez la malade. Tu suis attentivement. Il y a un mot. C'est pourquoi tu vas remarquer. Tango. Madian a son nom dans ma kebalon dit Madian. Lorsque Madian est vaincu. Na Généon. Par Généon. Mais alors j'avais montré ceci. Nathan Matthias se dominé. Du temps, le temps pendant lequel Matthias domine le peuple. Et sa domination à la nation. Donc c'est la domination des nations de la terre. Et l'on a appelé la nation des Baobab. Aujourd'hui sur la terre, ce sont les puissantes nations qui dominent. Bonsoir, maman. Vous suivez attentivement. Politique, c'est la bas dans un. La politique n'est pas pour les enfants de Dieu. Bonsoir, maman. Tu suis attentivement. Ça fait la ma politicien, ma camambo, camarade, pour qu'ils soient au terre. Prie pour les politiciens, afin qu'ils dirigent bien les politiques. Pour qu'il y ait la paix. Il y a une recommandation de la Bible. Et ce sont des recommandations bibliques. Bonsoir, maman. Amen. Ceux qui frère dans la politique, ça fait la poire dimanche. Si ton frère est dans la politique, prie. On s'en met la tête pour accorder. Mais prie pas qu'il puisse y entrer. Nous, si j'ai la prière, ou ça. Ça, c'est quel sujet de prière? Ça me la prière. Prie qu'il puisse y sortir. Vous êtes un sacrificateur dès qu'il méprise la loi. Ne sont pas les sacrificateurs. Ça me fait à combattre exprès. Le Seigneur jettera les instruments sur ton visage. Je te les livre. La jeune qui s'en sort. Oh, ça, la prière, mon par apparence. Et tu fais les choses par les apparences des gens. Bon. C'est que la tête à parole, c'est que dans la parole, il faut y avoir que tu dois savoir ceci d'elle-même. Pouvoir l'ayant amené. Aujourd'hui, le pouvoir de la tésarde n'a pas la nation. Est entre les mains de puissantes nations. Mais ma nation va se dominer du sauté parce que nous sommes maison d'Abraham. Les nations ne dominent pas l'église parce que l'église c'est la maison d'Abraham. La tête à condima. Mais à votre nation, ils ont dirigé terre. Mais les nations dirigent la terre. Depuis la chute, il y a Adam. Il y a Adam. Même le temps où Jésus a été. Même lorsque Jésus est venu, ma nation est dans la dirigée qu'à terre. C'était toujours les nations qui dominaient la terre. Même Israël. Même Israël. Il était dirigé par César. Était toujours dirigé par César. Si on t'a la carte, vous allez dans le pagan, vous allez dans la film. Lorsque tu étais païen, tu suivais le film. Vous passez à la film à Yeshua. Le film de Jésus. Que tant que Marie avait dit, lorsque Marie était grosse, César a pressé le guindo, et César a activé la montagnon sur la zone dans la boca. Et chacun puisse retourner dans sa ville natale. Ah, qu'elle négocia la recensement. Et qu'il aille se recenser. Hein. Et qui avait donné cet ordre? César, l'empereur romain. C'était l'empereur romain César. A pressé l'ordre pour toute la terre. Il a donné l'ordre pour toute la terre. Bonjour, la marade. Tu suis attentif. C'est qui dirigeait la terre. C'est-à-dire César Auguste dirigeait toute la terre.
Même dans Israël, tous à l'ordre de roi. Même les Juifs avaient aussi obéi à cet homme. Et alors, on va dire, attends, même à Jésus, les nations dominaient. C'est pourquoi je dis que même pendant le temps de la chair de Jésus, les nations dominaient. Même aujourd'hui, attends, les nations continuent à dominer. Il faut le raison qu'on va attaquer pour qu'on s'en mêle. Domination, on va aussi dans l'Armageddon. Et si leur domination prendra fin à la bataille, Jésus-Christ a reconnu ça, le roi de la terre. Jésus-Christ combattra le roi de la terre. Pour y aller, mon roi sera proclamé roi des rois. Afin que lui-même soit proclamé roi des rois. La reine millénaire. La reine millénaire. Mais si Koyo, mais aujourd'hui, le roi de la terre n'est pas au ce sont le roi des nations qui domine la terre. Il y a l'autre monde. C'est pourquoi tu vas remarquer. Matière a dominé. Matière domine. Mais la tête est la domination. Hein? Mais pendant sa domination, Gédéon joue la délivrance à Israël. Gédéon cherchait la délivrance d'Israël. A tient toison. Il a mis la toison. On est dans Juges 6. C'est dans Juges 6. On va aller dans verset 36 et dans verset 40. À partir du verset 36 jusqu'au verset 40. A tient toison na pourquoi. Et Jérémie posa la toison le sol. La étendement sur dans l'air ou dans la surface. Allô, Bible. Il a dit ceci. Seigneur. Nkolo. Ce qui vraiment dans un programme au cas pour la Israël. Si vraiment tu as le programme de délivrer Israël. Personne c'est là qui est rosé. Permet à ce que la rosée. Et qui t'a caca la toison. Ne descende que dans la toison. Toison et ça les makana kunzaya bampati. La toison est faite de poils de brebis. Or, kolongo la kunzaya pate. Or, tondre le poil de brebis. Esaïe 53, Esaïe 53 dit ceci. Il était comme une brebis devant ceux qui l'attendent. Et il n'a point ouvert sa bouche. Donc la tondaison de la mortale, sa sacrifice de Jésus. On parlait du sacrifice du Christ de Jésus. Là c'est Esaïe 53. Parce que celui va tondre encore. Parce que si on enlève le poids de et cela fait qu'on puisse avoir les vêtements pour l'homme. Yamo Moussala Yesu. C'est pourquoi l'œuvre de la foi. Et ses missions est en bas. Les vêtements de porter. Misala Yamala. Les œuvres justes des saints. Mais du temps d'Israël, on a levé le poids de l'animal pour passer la paix là-bas. Oui, afin qu'on puisse aussi confectionner un vêtement pour les gens. Mais c'est ce qu'on appelle la toison. Maintenant, que la rosée ne puisse descendre que sur la toison. Mais que le terrain puisse demeurer sa bouture du bousso. Dans la première nuit. Boutou mobi mama yezu kitagaka. Na toison. Et pendant toute la nuit, la rosée ne descendait que dans la toison. Les arrêts des arbres, ça y est, avec la entonnoir. C'est comme si le Seigneur a utilisé l'entonnoir. Maïnius, c'est tout qui est dans les scans. Et toute la rosée n'a pas été. Seulement sur une portion. Il faut y évaporer. Tu dois savoir ceci. Souffrance à Christ. Les souffrances de Christ. Oui, ils sont comme toison. Ils sont comme la toison. Et ça dit n'a pas qu'à tous les prophètes. Et qui est déjà dans la vie de tout le prophète. Vous suivez attentivement. Maintenant, tous les prophètes, maintenant tous les prophètes bien aimés, avaient l'esprit de Christ. Ça veut dire qu'on dit moi Christ au tas de ma main. Y a mon nez rosé, je dis dans la toison. C'est pourquoi la rosée ne descendait que dans la toison. Toison, les prophètes, ça. Les prophètes. Et cette toison représentait les prophètes. Mais ma belle ça au kaoka. Mais la terre était sèche. Peuple basaki baptisé des. Donc le peuple d'Israël en ces temps n'avait pas le Saint-Esprit. Pourquoi cette toison était placée depuis le soir? Donc c'était le signe depuis la chute d'Adam. Les seigneurs avaient chassé Adam les soirs naturels comme ça entre. Parce que le Seigneur a quitté le jardin vers le soir. Parce que le Seigneur était descendu vers le soir. Donc on a verset que chaque soir Dieu descendait. Et ça a quitté que pourquoi nous sommes à côté. Là c'est l'enseignement du frère Abraham. Il avait mal prêché. Chaque soir, pourquoi nous sommes où est-ce que tu as mis ces affaires? Amen. Ah ouais, j'en ai monté pour moi. Là j'avais entendu un prédicateur le prêcher aussi. Et comment il demandait que chaque soir il n'est pas écrit chaque soir. Non.
Il est descendu ce jour-là au soir. A quitté la tête à mon colonne, à pourquoi mon corps? À Sambisi, il a jugé. Dans la saisie au Sambisi. Donc il a fini son jugement. A bengami l'homme et la femme. Il a chassé l'homme et sa femme. Moi, donc, mon bal a zokende, mon lit de zoko. Et l'homme sortait du jardin, le soir naturel est tombé déjà. Les araïs ont dans les sacs, l'homme est vendu au péché. Et mon tour a décaminé dans les soumis. Donc, il est entré dans la mort. Lorsque la mort a dominé, promesse il y a un prophète, parce que le passe prophète dans un sentinelle. Parce que c'est les prophètes qui sont comme des sentinelles. Alors le Zacharie 21, tombeau Israël. Le matin vient. Zacharie a prophétisé dans Luc 1. Et Zacharie a prophétisé dans Luc 1. Les soleils, les femmes nous ont visités. Moi, pour la monter, écoute à l'absolu. Amen. Tombeau est terminé avec un Gédéon. Lorsque le matin est venu dans l'expérience de Gédéon, Gédéon a été trouvé rosé. Et Gédéon trouvait la toison pleine de rosée. Donc, toison, les a dit tous les prophètes. Et cette toison-là, c'était tout le prophète. La rosée, les a dit ma portion et esprit, les a dit dans chaque prophète. Et la rosée, c'était les portions et l'esprit des Christ. Donc, la rosée, les a dit au terme toute la nuit, mais ma belle est sous ma Et la rosée descendait toute la nuit sur la toison, mais le terrain était sec. Mais la tombe. Mais le matin. Rosée vraiment est tombée. La toison était pleine de rosée. Voilà, toison est comme Jésus. Et là, cette toison devient Jésus-Christ lui-même. Il a la plénitude de C'est lui la plénitude de l'esprit. Oh, il y a Moïse, il y a la grâce. Donc, l'esprit, la grâce. Il y a Josué, il y a la grâce. La grâce de Josué. Il y a Daniel, il y a la grâce. Il y a Daniel en lui. Il y a Esaïe, il y a la grâce d'Esaïe en lui. Donc, rosée, il y a un qui était dans la boutou. Toute la rosée qui était descendue pendant la nuit. La tombe. Le matin. Donc la rosée remplissait la toile. Il y a Jérémie. Donc il y a la grâce de Jérémie sur Jésus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Gédéon a causé toison. Gédéon prendra la toison. Là, soit Gédéon, ça veut dire le Père éternel. À cet endroit-là, Gédéon est le signe du Père éternel. Ça veut dire le moyen éternel. Il est le signe de l'éternel. Azui toison. Il va prendre la toison. Amène toison à Gethsemane. Il l'a amené à Gethsemane. À presser. Et à tamponner toison. Tu suis attentivement. Alors, dit que Azaï va transpirer, mais pour transpirer, mais on va dire comme les grimaux du sang. Donc Jésus transpirait, mais sa sueur était comme les grimaux du sang. D'ailleurs, Gethsemane est là, presser. Alors, Gethsemane est ici, quand il y a un camou là. Ah, il est là, vraiment ici, quand il y a un camou là, au moins. Presser. Amen. Tabou Gédéon a pressé. Lorsque Gédéon a pressé la toison. Et son tal, il s'avait que le Seigneur a se sacrifié à la croix à pessi son vite. Et c'est là par le décès que le Seigneur se sacrifie à la croix en rendant l'esprit. Toison est ticaline sèche. Et la toison a demeuré sèche. Bonsoir, Nama. Amen. Mais tabou Gédéon s'est dit qu'à moi. Mais lorsque Gédéon a pressé. Son batali voyait. Si l'on observe Israël. Madian Domi. C'était toujours la continuité de la domination de Madian. Donc Jésus a fait l'aide, mais Israël est resté sous l'esclavage romain. Mais Israël est resté sous l'esclavagisme du romain. Si les disciples au chemin de Maïs Maroumaki a. Les disciples l'avaient mis sur le chemin de Maïs. Dans Jésus est retard. Lorsque Jésus est venu le visiter. De quoi entretenez-vous? Vous êtes son ami, il va dire. Yoka Maroum va le dire. Écoute les disciples. Ils disent à Jésus, vous allez à Yomoko. Tu es le seul à Jérusalem. Oh, il est mité de ta voix. Il ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Pour aller, dit-il. Maintenant, il va expliquer Jésus. Maintenant, il faudrait expliquer à Jésus. Jésus. Qui est Jésus? Bon. Donc, il vous faire comprendre Jésus. Jésus. Il voulait faire comprendre à Jésus. Jésus. Parce qu'il va trouver qu'il y a un seul qui est comme un seul comprendre la maison. Parce qu'il va trouver qu'il était le seul à ne pas savoir ce qui se passe. Alors, ce qui est arrivé dans mon tout qu'on appelle Jésus. Oui, comme il a qui, mon père m'a dit Jésus. Maintenant, pour comprendre. Maintenant, pour comprendre Jésus. Alors, l'homme. Mon Dieu est puissant. Quoi, c'est un homme pour comprendre. Mon tambouillant, pas la confession de Jésus. Là, ils disent à Jésus. En tout cas, ma Cléopas, ma salle, qui belle confession. Vraiment, ils avaient une belle confession au sujet de Jésus. La belle confession. Il t'a donné qui tombe. Lui, la personne qu'on appelle Jésus. Mon Dieu m'a dit Jésus. L'homme puissant. Mon Dieu est en bouillant. En parole, en maléma. Et en appui dans la salle. C'est ça la définition. La première vie, on est en train de Jésus. Les principaux sacrificateurs l'ont livré. Ma maman s'en met, ma conti, ma tête qui est. On s'en va, hein?
Après, on dit qu'on croyait qu'il devait délivrer Israël entre les mains des Seigneurs. Voici, on nous apprend à ma femme, voici les femmes nous apprennent qu'il vient de ressusciter. Donc, Jésus a servi pour ça. Donc, Jésus a accompli. Mais heureusement, Israël a délivré. Mais enfin, Israël est toujours dans la servitude. Oui, Paul a dit dans Galates 4. Et Paul a dit dans Galates 4. Autant qu'à partir du verset 21 jusqu'à verset 25. À partir du verset 21 jusqu'à 25. Alors, oui, Agar. Agar, c'est Jérusalem actuel. Les amis, Jérusalem a été. Qui est dans la servitude. Oui, ça n'a pas été à Mouroum ou Nabanaï. Avec ses enfants. Nabanaï. A Théi, Israël a délivré. Il n'a pas prêché la délivrance d'Israël aujourd'hui. Parce qu'Israël a bêté des libabois. Parce que Israël s'est gâté à la pierre, il est tombé. Yango, Bateo, Bazoro, Bake, Motei, Nabamone, c'est le rétablissement de toutes choses. C'est pourquoi les frères qui disent que c'est là le prophète qui fera le rétablissement de toutes choses. Bakos. Ils ont menti. Parce qu'on a dit de toutes choses. Parce qu'on a dit de toutes choses. Mais parce qu'on a travaillé les batailles quand même. Mais ils sont des hommes sages, ils ont étudié. Mais l'élan est aux hommes. Mais aujourd'hui, tel que Israël a beaucoup. Israël est toujours dans la chute. Mais bah, c'est toutes choses. On dit toutes les choses. Le royaume d'Israël est à vous. Le royaume d'Israël est dans la chute. Les hommes ont rétabli. Le royaume n'est pas encore rétabli. Donc, il était à Wana, il y a ma doctrine, il y a ma message, Abraham, les a faux. Dans cet enseignement-là, les frères, le message est faux. Bonjour, la maman. Vous suivez attentivement. Il y a beaucoup qui ont remarqué. C'est pourquoi vous allez remarquer. Gédéon a sali. Gédéon a pressé la voix. Mais ma Madianite passe autour. Mais les Madianites dominaient toujours le peuple. Maintenant, lui, mais il faut une autre nuit encore. Ah, Boutou-Boussou-Souana. Et l'autre nuit, là, c'est maintenant le temps de la marche de l'église. Il y a un moment, l'église d'Apocalypse 2 n'a pas. C'est pourquoi l'église d'Apocalypse 2, 3, c'est ça la ma étoile. Donc l'église a des étoiles. Étoile, ça a la nuit. Les étoiles n'apparaissent que la nuit d'elle-même. Parce que ça a 7 étoiles. Parce que l'église a 7 étoiles. Chaque église a une étoile. Et chaque église a une étoile, une étoile. Cela veut dire l'église est en attente. Cela veut dire l'église marche pendant le temps de la nuit. Vous en avez un, non? Amen. Et nuit menée à ta église, il y a une deuxième nuit dans Jésus. Donc la nuit de l'église, c'est ça la deuxième nuit dans l'expérience des générations. Première nuit, ton nom est la première nuit, il y a mort, il y a chute à temps. Et la première nuit, on a dit que c'est la mort de la chute de l'homme. Parce que Job, chapitre 10, Sauf du verset 29-22. Le verset 29-22. Bataille sera la mort comme le jour de l'obscurité des ténèbres. La mort montre la mort comme le jour de l'obscurité des ténèbres. Vous en avez mal? La mort. Liwa. Or, Dieu a montré qui ténèbres dans Genèse chapitre 1er. On le sait. A béni la nuit. Et il les a appelés nuit. Et ténèbres, ça sera aussi la mort. Les ténèbres parlent aussi de la mort. Mais ténèbres, ils ont sauté la ville des amants. Mais ce n'est pas toutes les ténèbres qui sont la mort dans la vie. Bonjour, maman. Amen. Ténèbres, monsieur, ça va les amants ni bombi. Les autres ténèbres, c'est Dieu dans le mystère. Faut pas comprendre les temps. Afin que les hommes ne les comprennent pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, deuxième nuit. Donc, la deuxième nuit. Les attaques à l'église. Ça attend que la marche de l'église. Donc, il y a pas Paul à terre qui n'a jamais 13. Paul a prêché dans Romains 13. La nuit est avancée. Les jours approchent. Donc l'église est en train de la nuit. Donc l'église marche pendant le temps de la nuit. On veut dire que la carte église moulue les ailes. On n'a pas dit que dans l'église il y a des ténèbres. L'église est en train de la nuit. L'église est dans le temps de la nuit. Parce que l'église va comparer aussi la lune. Parce que l'église est aussi comparée à la lune. Parce que la lune a aussi la femme. La lune est aussi comparable à la femme. Or la lune a précédé la nuit. Or la lune préside la nuit. L'église a aussi comme chandelier. Mais l'église est aussi comme le chandelier. Chandelier va penser à du soir au matin. Le chandelier on l'allume afin qu'il puisse briller du soir au matin. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, deuxième nuit. La deuxième nuit de Général. Tamouyango a syndiqué. Lorsqu'il a dit ma belle maintenant est Zouamaï. Qu'alors toute la surface de la terre puisse recueillir la rosée. Donc, Yango, mon ébisson de l'autre sang, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, les frères de l'Église, avons le Saint-Esprit. Les apôtres, poison est commis sèche. C'est parce que la poison a demeuré sèche. Mais c'est là, Nango, les amis, la coupe est tombée qui m'a dit en bas, Pressaki.
Mais le chemin par lequel on reçoit l'esprit ou la rosée, c'est la coupe qui avait recueilli la rosée lorsque la poison était précise. Coupe wana. Et cette coupe. Et ça, dans Juge 6, voilà, avec ses 36 à 40. C'est toujours dans Juge 6. Coupe wana est un Issaka ministère. Et cette coupe parle du ministère. Ça, Batia, Maï, Nyon, Sonakati, Bonapo, maintenant. C'est là que le Seigneur a répandu toute la rosée afin qu'on puisse la répandre en ces temps. Maintenant, il y a c'est pourquoi j'avais. Même deuxième lutte à même lorsqu'il y a la deuxième. Madian domine. Madian continue toujours sa domination sur Israël. Il y a c'est pourquoi Paul avait dit. Jérusalem actuelle est dans la série. Jérusalem, il y a l'élo et ça n'a qu'à savoir. Et ça n'a pas. Donc c'est dans ces temps. Mais, ça, boum. Mais elle est dans la servitude. Vous en avez là? Amen. Maintenant, quand le matin, maintenant, lorsque le matin vient. Voilà, matin. Là, c'est un autre matin. Voilà les amis, tant qu'il y a beaucoup à voir pour combattre. Là, c'est lui-même le libérateur lorsqu'il viendra combattre les nations. Et la tâche action les amis Gédéon. Et dans cette action là c'est Gédéon. Parce que la Satan qui m'a levé la honte. J'avais senti que je devais parler. Pour comprendre quand même la parole. Pour que vous compreniez la parole. Et Zala qui est donc au bon ensuite pour la beau saisir quand même les deux temps. Je l'avais pris seulement fait que vous saisissiez comment est-ce que marche. Au moment où on a vu Juge 7. Et lorsque je prends Juge 7, l'écriture est le livre. L'écriture dit ceci. Lorsqu'il avait pris ses 300 hommes, verset 7. Le verset 7. Et j'ai mis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'Éternel dit à Gédéon. Et Yahweh aussi, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai. Donc 300 hommes ont la mangue salie. Donc ces 300 hommes leur apporteront du salut. Et que je délivrerai ma bien entre tes mains. Je livrerai ma bien entre tes mains. Maintenant, je vais expliquer par ton yo, Gédéon a éliminé qui. Maintenant, on explique que tous les gens que Gédéon avait éliminés. Que tous les restes du peuple s'en aillent. Chacun chez soi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Batounion sauvazonilanda. Tout le peuple est retourné. Sauvazonilanda. Maintenant, si je la pose la question, ces 300 hommes, Batounion va vous sauver. Ils vont dire que ce sont les 300 hommes qui vont nous apporter les salles. Ils sont incapables. Et nous sommes des incapables. Batounion va vous libérer, ils sont entre les Madians. Ce sont eux qui vont nous libérer de la main des Madians. Batounion va vous libérer de la main des Madians. Et on va faire retourner à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe dans le verset 8? Qu'est-ce qui se passe? On prit les vivres du peuple. Et ses trompettes. Et puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël. Chacun dans sa tente. Donc, on a pris les vivres du peuple. Ce sont tous ces prophètes. Donc, tous ces promesses. La nourriture du peuple, c'est toutes les promesses. Et les trompettes, c'est toutes ces paroles. Et les trompettes aussi, c'est toutes les paroles. Et ça concernait ces peuples qui sont restés à la table. Donc cela concernait les peuples qui restaient. Mais la suite à Rome a pris 300 soldats. On les a pris, on les a donnés aux 300 soldats. Donc, trompette concernant ces gens qui sont retournés à la maison, les gens entre les mains des 300 soldats. Donc, les trompettes concernant les gens retournés à la maison sont entre les mains des 300 soldats. L'air nourriture, il est une amour. Et ça entre les mains des 300. Et entre les mains des 300 soldats. Donc c'est 300. Donc c'est 300 hommes. Bah ça là, trompette du peuple. On est trompette du peuple. Donc, on. L'écriture des autres, hein. L'écriture, non. On voit l'écriture, non. Vous voyez toutes ces écritures. Et ça là, l'air nourriture. Et ça, il est y a une salle. Les trompettes. Et ça fait la quelle est l'eau. Mais bah, on trouve on a qu'à 300. Mais on va les trouver dans les 300 hommes. Donc ces 300 hommes, bah, y a, par rapport à ma promesse, où ils sont concernés Israël. Donc, les 300 hommes viendront par rapport aux promesses qui concernent Israël dans la Bible. Et par contre, bah, on les sabago. Et ce sera eux qui vont les nourrir. Voilà déjà le deuxième initié ici là. Et là, la deuxième nuit avait déjà pris fin. Deuxième nuit aussi, les arbres, les mêmes, ils sont au
temps. Deuxième lustre est déjà ici. La deuxième lustre avait déjà passé. Et avant qu'on remarque, c'est pourquoi tu vas remarquer que les mêmes. En ces temps-là, lorsqu'il veut aller combattre, Gédéon a divisé en trois groupes. Gédéon les a divisés en trois corps ou en trois groupes. Trois groupes n'y en sont. Et tous ces trois groupes, mais a eu des groupes de 100 tiens-moi ensemble. Mais il a pris des groupes de 100 et les a mis ensemble. Dans verset 18 à 19. Le verset 18 et 19. Alors, Bibouille, il dit ceci. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Nabal a dit, et il a dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dans verset 16, il divisa en trois corps. Akabola ki na biteni misato. Les 300 hommes. Il est réuni à tous des trompettes. Après ça, qui va mieux sur ma tête. Donc ma tête n'a pas beaucoup posé la main. Parole concernant les gens qui sont restés à la maison. Donc en eux, ils auront la parole par rapport aux gens qui sont restés à la maison. Donc ma tête y a ma prophète. Donc dans les prophètes. Parce que les 300 hommes t'as divisé au moins en trois. Lorsqu'on a divisé les 300 hommes en trois. On est à expliquer qui yo. Alors je t'avais expliqué. Tamu Eliazo Mata. Lorsque Élie allait au ciel. Élisée avait sa définition. Élie avait donné sa définition. Appelé char. Élisée l'a appelé char d'Israël. L'on va appeler l'Inga. L'Inga l'a appelé. Et sa cavalerie. Ma pipe est un bon seul homme tel que tu le vois. Donc il est toute une cavalerie. Oh, oh. Tu suis tel que ça est. Donc, une seule personne. Inanimée. Donc ma pipe mon bimba. Alors, armée a été divisée en trois. Maintenant, ici, l'armée est divisée en trois groupes. Les trois groupes, les autres, c'est trois prophètes au Mazoya pour Israël en Apocalypse. Et ces trois groupes-là parlent des trois prophètes qui viennent en faveur d'Israël en Apocalypse. Les deux témoins. Mantengere Kalibaye. Moïse. Monseigneur. Et la soupe, c'est Jésus-Christ. Et à la fin, Jésus-Christ est là. Il y a un moment dans Gédéon. C'est pourquoi Gédéon. Azoua descend. Il a pris 200 hommes. Ah, tiens, ensemble. Il les a mis ensemble. Aux autres, hein? Maintenant, tu as dit, groupe, on va pas. Il est resté avec un seul groupe de sang. Avant de prophétiser,